Fredericks au 5, Bruni sur 1 au 6. Cette fois, bon départ et très bon départ du couloir numéro 2 de Mansour, le Qatar, alors qu'il y en a qui s'est claqué là. C'est Witspoon. C'est Witspoon et Frankie Fredericks qui va contrôler quand même cette demi-finale avec à côté de lui Bruni sur 1 et à côté de lui Olapade Aïdéniken, et qu'il y a un drame sur la piste là-bas. Oui, c'est Witspoon qui est allongé. Là, là. Terrible, terrible drame alors qu'il est en train de pleurer Witspoon. Ouais, oui, ah, c'est horrible. Il souffre. Je ne sais pas, peut-être s'est-il claqué, on le savait souffrant, On ça savait qu'il très, avait très mal profond. Au tendon, c'est dur. Alors, ouais. La détresse de Mark Witspoon, l'un des meilleurs sprinteurs du monde, fauché vraiment en plein vol là, par un claquage incontestablement. Oui, le ralenti nous indiquera peut-être un petit peu plus s'il s'agit d'un claquage. En tout cas, c'est vraiment une grande détresse pour un garçon très, très gentil. Vous disiez qu'il était le moins connu, c'est le plus grand et c'est vrai que c'est le plus effacé aussi des sprinteurs américains. Et je pense que c'est un claquage à moins que ce soit le pauvre. J'espère que ce n'est pas une rupture du tendon, parce que du moins partielle, parce qu'il souffrait des deux tendons d'Achille. Il était quand même sous soin actuellement pour pouvoir courir. Et il y a une telle violence, il y a de tels étirements qui s'exercent, de telles pressions, de telles tensions qui s'exercent lors de la course sur ces tendons, que lorsque cela ne supporte pas d'être, on ne supporte pas d'être à 100% de son potentiel en sprint. Eh bien, ça a éclipsé pratiquement la victoire de Frankie Fredericks, qu'on va revoir maintenant. Il était très très bien parti avec le concurrent du Qatar. On va retrouver la Witspoon qui se voilà. Ouais, je pense que c'est plutôt... C'est plus le tendon, hein. Je ne sais pas. Ouais, c'est plus le tendon. Et Max Morinière, lui, va terminer 7e en 10 secondes et 42 centièmes. Les qualifiés, donc, Frankie Fredericks, Bruni sur 1, Olapade Adeniken et l'inusable Raymond Stewart. Dominique Le Glou pour recueillir les impressions de Max Morinière. Max, alors. Je suis bien parti, mais j'ai pas pu enchaîner. J'étais cherché le Qatar qui était à côté de moi, mais je sais pas ce qui s'est passé. Vous avez calé dans les 20 derniers mètres, en fait, un peu. Ouais, c'est un peu ça, quoi. Et aujourd'hui, je me sentais mieux par rapport à hier après-midi. Je sais que je fais un bon départ, j'enchaîne bien, mais après, aux 80 mètres, impossible de passer. Alors, cette finale, africaine ou américaine? Je dirais plutôt américaine. Parce que, bon, Bugel était bien à l'échauffement. Et je vise Bugel, quoi. Mais bon, moi, je suis déçu quand même. Mais il y a le relais pour essayer de rattraper tout ça. Merci. On va passer.